Et aujourd'hui, si je soutiens une cause, c'est de bon cœur et je le fais avec mon cœur. C'est rien pour prouver à personne, en fait. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que vous allez bien. Donc moi, je viens de me lever. Donc là, je suis en train de me préparer direction à la salle de sport. Oui, je vous ai dit, je me laisse un jour de repos, pas deux. Donc là, je vais aller faire ma petite séance de sport avant d'aller sortir et de commencer d'entamer ma journée. Donc les amis, à la base des bases, je devais aller au sport. Sauf que en fait, tout en réfléchissant, faut que j'aille faire ce que j'ai à faire maintenant. Acheter les trucs que j'ai à faire maintenant. Parce qu'en fait, je suis invitée pour 18h. Et du coup, vaut mieux que j'aille acheter les trucs maintenant qu'après. Bon, j'espère que vraiment, il y a toujours les gloss Dior de dispo. Parce qu'on sait tous que dès qu'un truc sort sur TikTok, il y a 2-3 magasins de... Et puis voilà, j'ai hâte d'être ce soir, de me changer les idées. J'en ai fortement besoin là. De moi, j'essaye de rigoler, j'essaye de... Parce que vraiment là, ça m'a mis un coup au moral. Et donc du coup, faut changer les idées, faut penser à autre chose, faut faire autre chose, faut capter ses amis, faut capter sa famille. Faut essayer de rigoler un maximum. Pas pour autant oublier, mais en tout cas, prendre soin de soi, c'est important. Trop contente, j'ai réussi à perdre tout le poids que je voulais. Donc là, je suis descendue à 73 kilos. Faut que je redescende encore un peu. Moi, c'est 72, mais ça y est, j'ai presque atteint le but. J'ai perdu tous les kilos que j'ai pris en trop. Donc, trop contente, trop contente. Oui, hein, je répète, j'ai de la peau avant que les gens critiquent, mais je reviens de très très loin. Donc aujourd'hui, tenue du jour. Je sais pas, il vient d'où ce pantalon? Attendez. Bershka. Mais je suis trop contente. Ce pantalon, je vous explique. Il m'a allé trop serré carrément pendant un moment, tellement que j'avais repris du poids. Quoi? Deux semaines? Deux semaines, je suis déjà à 73. Enfin arrivé à la boutique pour les dernières préparations. Ils ont des décos de ouf, hein, par contre. Hein. Fille, je sais, magnifique. Même ça, j'aime trop tout. Ils font des pains briochés incroyables. Il y a un sandwich qui est trop bon. À base de viande et de teriyaki. Mais vraiment, vraiment. Pour Dubaï. Bon, depuis tout à l'heure, je ne snap pas parce que à fond dans mon make-up. On l'aime bien ou on l'aime pas? Merci, merci. Je vous explique. La vérité, c'est très mignon, mais c'est très bizarre. Alors, fête d'Halloween. Je me suis démaquillée, je viens de rentrer. Laissez-moi faire ma douche et je reviens vers vous dans 2 secondes. J'ai parlé un peu de quelque chose parce que... Bah écoutez, rien à voir, chacun fait ce qu'il veut de son boule. Moi ça me regarde pas, si elles ont envie de mettre un déguisement sexy, ça c'est leur dos. J'ai jamais compris ce concept parce que voilà, le thème c'est de d'effrayer. Mais voilà, j'ai compris le concept, mais je respecte, chacun fait ce qu'il veut de son boule, chacun fait ce qu'il veut, chacun met le déguisement qu'il veut. Oh mais dis donc, faut arrêter en fait. Si j'ai envie de rigoler, c'est pas de la critique, c'est de la vanne. Si je... Enfin, on dirait que toi, t'as jamais vanné dans ta vie. Pourquoi j'ai pris mon téléphone? Parce qu'il y a certains messages comme ça déjà qui me dérangent. Et il y en a d'autres qui sont encore pires.
Donc voilà sur quoi je voulais réagir. Donc il y a un mec, je crois que le blas c'était Ibra, un truc comme ça, Ibrahim ou un truc comme ça, je sais pas, bref, je m'en bats les reins, se permet de m'insulter parce qu'en fait je suis partie à une soirée déguisée. Maintenant les amis, je vais vous expliquer quelque chose. Pour moi, c'est une soirée déguisée, ok, d'accord, certes, c'est Halloween, nanana, vous faites ce que vous voulez, je m'en tape. Je vais vous expliquer un truc. Faut arrêter en fait. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Je suis pas là pour vous plaire. Maintenant, chacun a ses péchés, chacun a ses choses. Je suis pas là à pointer du bout de doigt, surtout le trois quarts du temps de ces mecs-là. Ils servent des meufs et bref, les bails, derrière, on les connaît. Donc en fait, arrêtez de juger les gens, t'as vu? Occupez-vous de vos fesses, occupez-vous de vos jugements derniers. Personne ne va juger ou personne ne sera à ma place le jour où je serai dans ma tombe. Je fais ce que je veux. Et aujourd'hui, si je soutiens une cause, c'est de bon cœur et je le fais avec mon cœur. C'est rien pour prouver à personne, en fait. Donc, arrivé à un moment donné, gardez votre place, d'accord? Si j'ai envie, tout ça, tout ce qui arrive dans le monde entier, ce n'est pas de ma faute, d'accord? Oui, je suis très, 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 très triste. Vous voulez l'entendre? Tant mieux. Il n'y a pas de blé ici, d'accord? Donc, vos messages comme ça, là, en m'insultant ou je sais pas quoi, garde la pêche et trace ta route. Parce que je vous... Stop! Stop, arrêtez là. En fait, votre haine, allez la déverser ailleurs. Mère, mais occupez-vous pas de mes fesses à moi. Que Dieu nous guide tous. Est-ce que quelqu'un vous doit quelque chose sur cette terre? Je vous ai toujours dit, je déteste qu'on me fasse passer pour ce que je suis pas. Je devrais même pas répondre, mais arrivé à un moment, juste parce qu'en fait, je suis partie à une soirée déguisée le soir d'Halloween, parce qu'en fait, en ce moment, je suis en train de clairement tomber dans une dépression incroyable. Et oui, j'ai pris du recul. Et oui, je regarde beaucoup moins parce que en fait, je ne peux rien faire. D'accord? Je ne peux rien faire à part vous donner la force et de me dire de ne pas oublier la cause pour laquelle aujourd'hui on ne se tait pas. D'accord? Mais faut pas tout mélanger. Parce que j'ai l'impression, même si aujourd'hui je dors, même si aujourd'hui je mange, même si aujourd'hui je sors ou quoi que ce soit, genre on dirait que c'est de ma faute. Les gars, c'est pas de ma faute. Arrêtez d'avoir la haine contre moi, d'accord? Moi aussi j'ai le seum. Moi aussi ce que je vois, ça me déplaît. Mais malheureusement, à part faire tout ce que je fais quotidiennement, relayer, balancer les mauvaises infos, ça, et j'en fais tous les jours. Venez pas me casser la tête. La vérité, venez pas me casser la tête. D'accord? Je suis arrivée à un stade où je suis en train de me rendre malade. Donc, en fait, à un moment donné, restez à vos places. Si vous, vous êtes des gens parfaits, tant mieux pour vous. Que Dieu nous guide. Allah yahdina, c'est tout, en fait. D'accord? Donc, moi, j'ai pas besoin de gens qui viennent, qui prennent mes stories et qui les mettent dans leurs stories comme ça. Tu veux quoi? Tu veux des vues? C'est quoi ton concept? Je les accueille de bras ouverts. J'ai même répondu à certaines personnes qui m'ont envoyé des messages. Mais par contre, les gens comme ça, là, frérot, évite de forniquer avant de venir parler dans mon snap de moi ou de... Frérot, toi et moi, on sera pas dans la même tombe. Toi et moi, on rendra pas les mêmes comptes, d'accord? Chacun ses comptes, chacun son truc. Moi, je ne pointe pas les péchés des gens. Ne viens pas pointer les péchés de moi, d'accord? Tout simplement, d'accord? On part du principe, déjà, je ne porte pas le foulard, d'accord? Déjà, je suis dans le péché. Déjà là, de vous parler sur Snap, je suis dans le péché. On est quotidiennement dans le péché, d'accord? Que Dieu nous pardonne, d'accord? C'est pas à toi que je vais demander le pardon. Et c'est pas à vous que je vais demander le pardon, à certaines personnes qui vont s'amuser à faire ça, ok? Donc, si vous voulez suivre mon Snap, marhababikoum, si vous voulez pas, et que pour vous, c'est tellement ignoble de voir quelqu'un à une soirée déguisée, eh ben, Allah ma'ak et trace ta route. Elle soutient si, mais en même temps, elle fait ça. Mais pendant ce temps-là, les autres sont là. Et non, arrêtez de vouloir faire culpabiliser les gens. Je culpabilise tellement déjà assez de ne pouvoir rien faire parce qu'une influenceuse. Mais je suis là, frère. Bref, en tout cas, la vérité, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour moi et pour moi-même. Et la cause que je soutiens, c'est pour les personnes qui sont là-bas. Stop. Le reste. Qui viennent vouloir me faire culpabiliser de ce qui se passe dans le monde. La vérité, vous êtes tellement petit, mais tellement petit, en fait. C'est après. Que je suis malgré. Sur cette terre à ses péchés, d'accord? Mais en soi, chaque péché. Chaque musulman est jugé à ses actes, d'accord? Donc chaque acte est différent. Faut arrêter et faites les choses de bon cœur. Faites pas les choses pour
vous privilégiez une place, ok? Faut arrêter là, stop, stop, j'en peux plus de ce genre de personne en fait. Oui, ce soir, ça m'a fait du bien. Oui, ce soir, ça m'a permis de penser à autre chose. Et oui, j'ai pris du recul, d'accord? Je partage tout sur Instagram, comme je vous le dis, parce que je n'arrêterai pas. Et c'est comme ça, parce que ils ont besoin de nous. Maintenant, je ne vais pas arrêter de vivre. Je ne vais pas arrêter de faire battre mon cœur pour faire plaisir à ces personnes qui sont derrière leur écran et qui osent mettre leur misère de leur vie sur mes côtes, ok? Donc en fait, si t'es pas bien dans ta vie, si t'es là en train de juger les gens ou tu veux les insulter 24 heures sur 24 gratuitement pour t'apaiser ton cœur, va, je sais pas, à une salle de sport, va à la boxe, va apaiser ton cœur sur quelqu'un d'autre, mais pas sur moi. Merci bien, la direction, je vous souhaite une bonne nuit. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Et pareil, pour celles qui viennent critiquer, ouais, tu rabaisses les meufs. Je rabaisse personne. C'est juste de la vanne. Calmez-vous, en fait. Pétez un coup, je sais pas si vous avez des gaz dans le ventre. Pétez un coup et revenez à la norme, en fait. La vie, moi, j'aime bien rigoler. En fait, vous avez tellement rendu la vie triste qu'aujourd'hui, les gens, dès qu'ils rigolent, ils ont peur. Ça plaît pas? Vous voulez me faire passer pour une méchante? Faites-moi passer pour une méchante. Ça y est, je suis arrivée à un stade où, en fait, votre parole me fait chier. Vous voyez les haters, là? Les gens qui veulent toujours broyer du noir et faire passer quelqu'un pour le mauvais. Mes frères, regardez le fond de votre cœur avant de parler des autres. D'accord? Bref, en tout cas, les amis, pour ceux qui ont vu ma story, vous avez vu, c'était de la rigolade. C'était vraiment pour vous changer les esprits aussi à vous. Parce qu'arrivé à un moment donné, je sais qu'on doit faire ce qu'on est en train de faire. Mais en même temps, c'est bien aussi de se changer les idées. Parce que vraiment, quand je vois tout ce qui se passe autour de nous et dans le monde entier, si je vous apporte un peu de rigolade, moi aussi, ça me fait plaisir. Et à vous, je pense que certains, ça vous fait plaisir, ça vous change les idées. Donc, arrivé à un moment donné, encore une fois, je vais me répéter, vous savez qui je suis, les gens qui me suivent depuis des années, mes amis, ma famille, le reste, là, les haters qui veulent faire couler tout le monde tous les jours et qui veulent attiser la haine sur les gens, vous, je m'en bats les reins. La vie de ma mère, je m'en bats les reins. J'espère que vos téléphones sautent le lendemain. Vraiment, il faut que vous arrêtez. Votre haine à l'intérieur de vous qui boue là, faut la baser, hein. Faut la baser. Souriez un peu à la vie. Arrêtez de voir du mal partout. Stop. Vraiment. Donc, j'ai passé une bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous. Et demain, on part que sur du positif. J'ai dit Snapchat. Et réellement, je vous montre ma vie quotidienne. J'essaie vraiment de me changer les idées, de vous changer les idées et de penser à autre chose. Sur Instagram, je relaye tout, tout, tout ce qu'il faut en temps et en heure que vous avez besoin de savoir. Et il ne faut pas lâcher. Il ne faut rien lâcher. D'accord ? Donc, mon cœur est toujours présent. C'est pas pour autant que j'ai tapé une soirée ou que je me suis déguisée que mon cœur est devenu noir. Encore heureux, les amis, je vous fais plein de gros bisous. N'écoutez pas ce genre de personnes parce que c'est vraiment des débiles mentales, la vérité. Et si vous pouvez faire un maximum de moins de péchés, je vous encourage. Moi, je ne suis pas parfaite. Je pêche tous les jours. Vous pêchez tous les jours. Allah yahdina, tout simplement. Gros bisous et je vous souhaite une bonne nuit.